musique aujourd'hui en électrique. Voilà, après 30 cours acoustiques uploadés sur notre site préféré, je me dis qu'il faut un petit peu aborder le répertoire plus électrifié. Donc pour vous aujourd'hui, bande de petits vénards, le standard de Robert Johnson, Sweet Home Chicago, repris entre autres par, vous savez qui, Brothers. C'est pas hyper compliqué, mais c'est super efficace. Donc on voit ça dans le détail tout de suite. Donc, avant d'entamer la grille, on commence par l'intro, hein, tant qu'à faire, qui se présente comme ça. Donc, on utilise l'annulaire sur la corde de Si. Je pars de la 10e case. Et je fais un petit slide jusqu'à la 12e. Une fois que je suis rendu ici, je vais placer direct mon index sur la 10e case du petit Mi pour avoir à l'arrivée cette position-là. Donc, pardon, à la main droite, je fais. J'espère qu'on voit bien. Je gratte d'abord la corde de Si, le Mi, Si, Si, Mi. Ah merde, pardon. Et j'atterris ainsi. 9e case du Mi, 10e case du Si. Okay. Donc ça, on l'a deux fois de suite. 1, 4. Ensuite, la même position. Ici, 7e case de Mi, 8e case de Si. Et je fais éventuellement, si j'ai envie, un petit, tout petit bend là avec le majeur sur la 8e case. Et donc là, j'atterris 5e case de Si. Et je gratte toujours la corde d'à côté. Et elle se retrouvera à vide. Donc, on voit que dalle pour la main droite. J'essaye encore. Merde! Ici, on a un turnaround. Alors, il se place avec les doigts du métal, là, que je vais mettre 4e case de Mi, 4e case de Sol. Je laisse donc le Si entre les deux à vide, et je vais gratter en alternant un coup la corde de Sol, un coup la corde de Mi. Donc, alors, on voit que dalle. Alors. Et je gratte les trois dernières cordes. Et dès que vous avez fait ça, le La vide, première case, deuxième case, fin de l'intro. Je le refais en entier. Et après, on attaquera la pompe. Donc, si vous aviez suivi par hasard mon cours sur le blues en La, vous allez retrouver quelques petits points communs. Alors, les trois positions pour s'accompagner. Deuxième case du La, et je gratte en même temps le gros Mi. Que les deux cordes. Et je vais alterner ça avec ça. Donc, l'annulaire va gratter sur la même corde de La, mais jusqu'à la quatrième case pour la première position. 5, 6, 7, 8. Ça, c'est une mesure. Okay. Deuxième position, le La. Donc, je décale juste mon index d'une corde sur la corde de Ré. Et je gratte le La vide et la corde sur laquelle j'appuie en même temps. Et pareil, j'alterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ça, c'est la deuxième position. Et la troisième position, c'est un power chord. Deuxième case de La et quatrième case de Ré. Je vais gratter ensemble. Donc soit je garde cette position statique en grattant 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est une possibilité. Et si vous êtes assez souple, vous avez déjà assez bossé les extensions et tout ça, vous pourrez alterner en appuyant ici 4 et en allant chercher la 6e case avec le petit doigt, ce qui est plus délicat déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, je vous refais les 3 positions d'affilée. Position, on appelle de Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deuxième position, position de La, 5, 6, 7, 8, troisième position, position de Si.
Alors, on dit qu'on a passé l'intro, et donc on se retrouve en début de grille avec le chant qui commence. On va avoir une mesure du mi. Une mesure, c'est 8 grattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, une mesure de la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, deux mesures de mi à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour le premier tiers du morceau, un mi, une mesure de mi, une mesure de la, deux mesures de mi. Ensuite, deuxième partie. Deuxième tiers du morceau. Deux mesures de la et deux mesures de mi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 6, 7, 8. Voilà. Donc, depuis le début, une mesure de mi, une mesure de la, deux mesures de mi. Deuxième ligne. Deux mesures de la, deux mesures de mi. Et troisième tiers et dernière ligne, une mesure de si. Donc on fait soit le power chord là, soit en gardant, sans faire extension, soit en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une mesure de la, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et une mesure de mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et à nouveau une mesure de si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le dernier tiers, donc la dernière ligne, ça fait donc une mesure de si, une mesure de la, une mesure de mi, une mesure de si. Sur ces deux dernières mesures, la mesure de mi là et la mesure de si, qui permettent de revenir au début, on peut les remplacer par une petite séquence de turnaround, comme on avait au début, enfin plutôt à la fin de l'intro. Je vous prends la dernière ligne du truc, donc une mesure de si, une mesure de la, et le turnaround. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par un accord de 6 septième. Deuxième case de la, première case de ré, deuxième case de sol, deuxième case de mi. Ou sinon, restez enfoncé sur la deuxième case du la, ça marche aussi bien. Je vous le refais en entier. 3, 4. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4,